N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important. Qui ne serait indigné devant les assassinats du Hamas et devant le déluge de bombes ordonné par le gouvernement israélien Que peut-il y avoir de plus dévastateur pour une mère, pour un père, que la perte d'un enfant Tant d'espoirs partis en fumée, tant de rêves transformés en cauchemar, tant de projets engloutis. Nul ne peut vraiment mesurer cette tragédie. S'il ne l'a pas vécu. Et chaque parent tremble à l'idée de recevoir un appel téléphonique l'informant d'un tel drame. Cette calamité peut résulter d'une maladie, on ne peut blâmer alors que le destin. D'un accident, on peut accuser le chauffard, s'il est responsable. D'un acte terroriste, qui frappe ici une école, ailleurs un supermarché, là un simple passant. Qui blâmer alors Le terroriste, naturellement, qui d'autre Et pourtant, nous sommes le 4 septembre 1997, rue Ben Yehouda, en plein centre de Jérusalem, trois kamikazes du Hamas se font exploser, tuant cinq personnes, dont une jeune fille de 14 ans, prénommée Smadar, sortie de chez elle pour acheter un livre. Elle porte un nom prestigieux en Israël. Son grand-père, le général Matityahu Peller, a été l'un des artisans de la victoire de juin 1967, avant de devenir une colombe et l'un des protagonistes de ce que l'on a appelé les conversations de Paris. Première rencontre secrète entre des responsables de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, et des Israéliens sionistes. En cette année 1997, M. Benjamin Netanyahou était déjà Premier ministre et avait promis de détruire l'accord d'Oslo signé en 1993, ce qu'il réussira à faire. Il connaît aussi la mère de Smadar, Nourit, une camarade d'école et une amie de jeunesse. Quand il l'appelle pour lui présenter ses condoléances, elle lui rétorque Bibi, qu'as-tu fait le tenant pour responsable de la mort de sa fille. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le terroriste qui a tué ma fille et le soldat israélien qui, en plein bouclage des territoires, n'a pas laissé une palestinienne enceinte franchir un barrage pour se rendre à l'hôpital, si bien qu'elle a finalement perdu son enfant. Je suis persuadée que si les Palestiniens nous avaient traités comme nous les traitons, nous aurions semé chez eux une terreur cent fois pire. Dans son texte, Nourit termine en qualifiant M. Netanyahou d'homme du passé. Elle s'est malheureusement trompée, puisqu'il demeure le visage de la politique israélienne. Malgré les critiques qui le visaient depuis des mois en raison de son projet de réforme de la justice, la grande majorité de la société s'est regroupée derrière lui pour justifier la politique criminelle, selon le droit international, qu'il mène à Gaza. Dans les décombres fumants de cette enclave grandit la prochaine génération de combattants palestiniens, plus déterminés que la précédente, le cœur rempli de rage et d'une inextinguible haine. L'action des commandos suicides des années 1990 et 2000, comme l'assaut du 7 octobre du Hamas, allié aux autres organisations palestiniennes, sont constitutifs d'un crime de guerre, comme le sont le blocus et les bombardements de Gaza. Ils posent une nouvelle fois la question du terrorisme et de sa définition. C'est un exercice laborieux, tant les groupes rassemblés sous la rubrique terrorisme sont hétérogènes. Peut-on ranger sous le même label la milice américaine d'extrême droite qui a commis l'attentat d'Oklahoma City le 19 avril 1995, Al-Qaïda, l'armée républicaine irlandaise, IRA, ou encore le Parti des Travailleurs du Kurdistan, PKK Cette incrimination implique de considérer ces mouvements comme l'incarnation du mal absolu avec qui tout compromis est impossible et contre laquelle la seule stratégie serait l'éradication pour assurer la victoire du bien. Pourtant, l'histoire a souvent prouvé, que ce soit en Irlande ou en Algérie, que les terroristes d'hier sont les dirigeants de demain. Quand des journalistes, somme quiconque intervient sur Gaza, de dénoncer le Hamas comme organisation terroriste, ils oublient que cette désignation, entérinée principalement par l'Union européenne et les États-Unis, n'est adoptée ni par les Nations Unies, ni par de nombreux États qui maintiennent des canaux de communication avec cette organisation. Même Israël a, pendant des années, entretenu des contacts avec elle et autorisé le Qatar à convoyer des centaines de millions de dollars vers Gaza en espérant ainsi acheter le mouvement. Peut-on croire qu'une formation qui a recueilli environ 44% des suffrages parmi les Palestiniens lors des élections législatives de 2006 peut être purement et simplement éradiquée L'inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne au début des années 2000, à la suite de la seconde intifada, avait suscité bien des débats. La France, convaincue qu'il valait mieux pouvoir échanger avec le mouvement islamiste, souhaitait le dissocier des brigades Isaldine al-Qassam, qui figuraient déjà sur la liste, comme les brigades des martyrs d'Al-Aqsa avaient été distinguées du Fatah, la principale branche de l'OLP. Paris a finalement cédé à la pression de ses partenaires, mais rejette toujours l'inscription du Hezbollah sur cette liste, le mouvement étant un parti politique présent au Parlement libanais et un acteur majeur de la politique intérieure du pays du Cèdre. Le cas du PKK condense les contradictions des politiques occidentales. Il figure sur les listes des organisations terroristes établies par l'Europe et les États-Unis, et il est ainsi possible d'être inculpé d'apologie de terrorisme si on le soutient verbalement. Pourtant, en 2014-2015, les Occidentaux lui ont transféré des armes pour arrêter l'offensive de l'Organisation de l'État islamique, OI, en Irak, et défendre la ville syrienne de Kobané, avec un héroïsme qui fut largement salué à travers le monde. On peut tomber d'accord sur le fait qu'il existe des actes terroristes, ceux qui visent ou qui touchent principalement des civils. Cette méthode de lutte a été utilisée par nombre de mouvements de libération à une échelle plus ou moins grande selon les circonstances. Avant de s'en indigner, il faut rappeler qu'ils affrontaient des armées modernes, dotées d'avions, de chars, de missiles, dans un combat totalement inégal. Et que la terreur quotidienne, invisible pour les colonisateurs, parfois exterminatrice, frappé depuis des décennies les populations sous occupation, créant colère, frustration et rage. « Il est facile de ne pas remarquer la terreur », notait l'écrivain Manès-Perbert. « Elle se cache sous l'indifférence de ceux qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire l'écrasante majorité. » Il parlait de la terreur fasciste dans l'Europe des années 1930. Mais la terreur coloniale restait encore plus invisible pour l'écrasante majorité des populations des pays colonisateurs qui s'étonnaient de la barbarie en retour des colonisés. La lutte sud-africaine ne se réduit pas à un pacifisme bien intentionné. Le terrorisme n'a pas occupé la même place dans tous les mouvements de libération, et certains ont réussi à en limiter l'usage. Le cas sud-africain est exemplaire, même si sa lutte ne se réduit pas, comme beaucoup le croient en Occident, à un pacifisme bien intentionné. Le Congrès national africain, ANC, a aussi utilisé la violence et, de manière ponctuelle, le terrorisme. Les conditions de sa lutte ont facilité un choix de modération. L'ANC disposait d'alliés solides à l'échelle internationale, engagés concrètement avec lui dans son combat. Il pouvait compter sur le soutien de l'URSS et de ses pays affiliés, d'un mouvement des non-alignés déterminés et du puissant mouvement de boycott en Occident, que personne ne songeait à criminaliser et qui ébranla l'apartheid et les soutiens du capitalisme sud-africain. Enfin, L'intervention militaire cubaine en Angola, et notamment la bataille de Cuito-Cuanavale en janvier 1988, quand l'armée de Fidel Castro porta un coup fatal à la machine de guerre de Pretoria, constitua, selon Nelson Mandela, un tournant dans la libération de notre continent et de mon peuple. Dans ce contexte, il était possible d'éviter le recours au terrorisme. Au contraire, aujourd'hui, ce sont les Palestiniens qui sont abandonnés à leur sort, y compris par plusieurs gouvernements arabes, et c'est Israël qui dispose du soutien inconditionnel des Occidentaux. La position de ces derniers ne sera même pas affectée par l'arrivée au pouvoir à Tel Aviv de ministres fascistes, suprémacistes juifs. Pour comprendre les dilemmes propres à l'OLP et à ses composantes, il faut revenir sur la lutte palestinienne qui a suivi l'occupation de 1967. Après une période d'euphorie marquée par l'extension de l'action des fedaïnes, combattants palestiniens, ceux-ci furent expulsés de Jordanie en 1970-1971, tandis que s'affermissait le contrôle israélien sur les territoires occupés. C'est alors l'existence même de la lutte palestinienne qui était en danger, et avec elle, tout espoir de libération. On assista ainsi à une multiplication d'actions violentes transnationales, avec la création de l'organisation « Septembre Noir », qui s'illustra dans la prise d'otages d'une partie de la délégation israélienne aux Jeux olympiques de Munich de 1972. Comme l'expliquera Abu Iyad, ancien numéro 2 de l'OLP, « L'organisation a agi en auxiliaire de la résistance », un moment où cette dernière n'était pas en mesure d'assumer pleinement ses tâches militaires et politiques. Ses membres traduisaient bien les profonds sentiments de frustration et d'indignation qui animaient tout le peuple palestinien face aux tueries de Jordanie et aux complicités qui les ont rendues possibles. Parallèlement, le Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP, dirigé par le palestinien chrétien Georges Habash, multipliait les détournements d'avions et organisa, avec l'armée rouge japonaise, l'attaque contre l'aéroport de Lod, Tel Aviv, le 30 mai 1972. Qu'est-ce qui amena l'OLP à arrêter ses opérations extérieures D'abord, une reconnaissance croissante des pays non alignés et des pays socialistes, ce qui lui permit d'accéder à une légitimité internationale, et se traduisit par l'invitation de Yasser Arafat à l'ONU en 1974 elle commença à être associée aux jeux diplomatiques et ouvrit ses premières représentations officielles en Europe, notamment à Paris en 1974. La France, qui condamnait évidemment le terrorisme, joua un rôle majeur pour persuader ses partenaires que la clé de la solution du conflit était la fin de l'occupation israélienne et qu'elle passait par la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination ainsi que par la négociation avec l'OLP. Déclaration européenne de Venise de 1980. À l'époque, le premier ministre israélien Menahem Begin accusa les Européens de vouloir le forcer à négocier avec le Fatah, dont les textes résonnent comme le Mein Kampf de Hitler. Un parallèle que reprend M. Netanyahou pour stigmatiser le Hamas. Cette avancée européenne ouvrit une fenêtre diplomatique et amorça un processus politique. Un court moment, les Palestiniens purent espérer concrétiser leur rêve d'un État et ils parièrent sur la paix. Des combattants criant ⁇ Ceci c'est pour mon fils !⁇ il n'est pas question ici de refaire l'histoire de l'échec du processus d'Oslo, mais il est incontestable qu'il joua un rôle dans la victoire électorale de 2006 du Hamas. Ce qui va, pendant des décennies, continuer à nourrir la violence, c'est la situation concrète des Palestiniens, l'extension de la colonisation, la répression de toute activité politique, l'emprisonnement de masse et la violation systématique du droit international. En Cisjordanie, où l'activité du Hamas est réduite, l'action israélienne est-elle plus modérée Israël applique cette maxime d'un expert allemand de la fin du XIXe siècle. Le droit international ne devient plus que des phrases si l'on veut également en appliquer ses principes aux peuples barbares. Pour punir une tribu nègre, il faut brûler ses villages. On n'accomplira rien sans faire d'exemple de la sorte. Cette terreur, souvent invisible pour les Occidentaux, qui ne s'émeuvent que quand meurent des Israéliens, est le sort quotidien des Palestiniens. Elle est marquée dans leur chair. Des vidéos circulant après le 7 octobre ont montré des combattants criant Ceci est pour mon fils que vous avez tué. Ceci est pour mon père que vous avez tué. Cent trois Européens ont été assassinés, plusieurs femmes dont une de 84 ans ont été violées, les cadavres dans la plupart des cas ont été mutilés, les parties sexuelles coupées et placées dans la bouche, les seins des femmes arrachés et les émeutiers s'acharnaient sur les cadavres pour les larder de coups de couteau. Une commission d'enquête française dressait ainsi le bilan des événements du 8 mai 1945 dans l'Est algérien. À Sétif, durant une manifestation indépendantiste, un jeune manifestant fut tué par la police, déclenchant des émeutes et ses massacres. Un livre remarquable de Mehana Amrani revient sur les réactions en France à cet événement annonciateur du soulèvement de 1954. Cette barbarie décolonisée, comment l'expliquer Un analyste écrit à l'époque que. L'appel à la violence fait surgir des montagnes une sorte de génie du mal, un caliban berbère, sauvage et cruel, dont les mouvements ne peuvent guère être arrêtés que par une force plus grande que la sienne. Telle est l'explication, historique et sociale, des événements survenus à Sétif le jour même de la célébration de la victoire. Le quotidien Le Monde n'était pas en reste, notant que les troubles se sont produits dans les régions où les institutions françaises, politiques, scolaires, sociales sont le moins développées. Sous-entendu, plus de colonisation permettrait de sortir ces populations de leur barbarie. Et si c'était au contraire la colonisation qui les y avait plongées Il faudra plusieurs décennies pour que soit reconnue l'ampleur de la répression contre les populations dites indigènes qui suivit le soulèvement de Sétif en 1945, des dizaines de milliers de morts longtemps ensevelis sous la bonne conscience de ceux qui ne voulaient pas voir ces massacres civilisés que la France avait commis. Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous.